Haman and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à l'hydrogène. Et on va parler d'une station à hydrogène qui va être développée dans le Tarn. On va aussi parler d'une façon très propre de fabriquer de l'hydrogène à partir d'algues, mais aussi d'un catamaran de plaisance propulsé à l'hydrogène. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 198 et ça commence tout de suite. Haman and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Effectivement, on part dans le Tarn tout de suite où une station à hydrogène va être développée. Alors, c'est grâce au développeur d'énergie renouvelable nommé Amarenco, notamment, mais aussi le constructeur et exploitant de stations d'avitaillement Seven, le spécialiste des travaux publics NGE et aussi le syndicat mixte de traitement des déchets ménagers Trifil, ainsi que le département du Tarn et la CCI locale qui ont signé un accord de principe sur le développement d'une offre de stations à hydrogène sur le département. Alors ça va s'appeler comment ? Ça va s'appeler Hydro-Tarn et le projet va bénéficier de financement également du Conseil régional d'Occitanie et aussi de l'Union européenne. Celui-ci, alors, ils ont pour l'ambition de former les bases d'un couloir européen nord-sud destiné en premier lieu à la mobilité lourde à hydrogène. Puisque vous le savez, il y a tout un écosystème qui est en train de se fabriquer en France, mais partout, hein, tout en Europe, voire dans le monde, afin d'utiliser l'hydrogène comme une source d'énergie renouvelable, et surtout pour la transformer un petit peu partout. Haman and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Et donc, on va parler de la façon de faire de l'hydrogène, et notamment grâce à H2Win, qui compte utiliser des algues, puisqu'effectivement, ils travaillent sur une technologie susceptible de révolutionner le mode de production de l'hydrogène en gommant ses principaux défauts, c'est-à-dire la façon de renouveler, mais aussi son coût, et aussi le fait que c'est très énergivore. Alors, cette entreprise évolue dans le domaine du biomimétisme, c'est-à-dire que son fondateur Philippe Lorge explique que le but c'est d'imiter la nature et en l'occurrence la première étape de la photosynthèse. Alors son procédé utilise l'eau, la lumière et un enzyme issu de l'algue bleue, un organisme microscopique capable de photosynthèse. C'est ce que nous explique l'article du journal L'Écho belge. Alors, par oxydation, les molécules d'eau sont dissociées en électrons et protons H+, hein, c'est un atome d'hydrogène chargé positivement. La photosynthèse fixe alors le CO2 de l'air pour former des sucres, c'est-à-dire amidon, acide aminé. Et ensuite, il contourne cette partie du processus pour recombiner ces protons avec les électrons de l'eau pour produire de l'hydrogène. Alors, les enzymes issues de cette fermentation pourront alimenter des générateurs et des piles à combustible. Alors, ces hydrogénases, c'est-à-dire des enzymes capables de catalyser la conversion des protons en hydrogène, produits par génétique pourront remplacer les métaux rares utilisés dans les piles à combustible. Et donc, du coup, vous voyez complètement l'intérêt. On n'a plus besoin de terres rares et donc on n'a plus besoin d'exploiter la terre pour créer ces piles. Alors concrètement, il s'agit donc de remplacer le platine dans la pile par une membrane enzymatique telle que conçue par H2Win. Alors, selon Philippe Lorge, 1 kg d'hydrogène solaire pourrait fournir l'équivalent de 3 jours de consommation électrique d'une famille belge.
peut imaginer que pour d'autres familles européennes, ça serait à peu près similaire. Alors, pour le moment, le procédé n'est pas prêt pour la commercialisation, mais ça ne saurait tarder. Puisqu'ils ont maintenant établi que ces concepts fonctionnent, ils se donnent 3 ans pour parvenir au stade des premiers accords de licence avec des fabrications de piles. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on part maintenant sur les mers avec Sea Venture Yachting. C'est un petit catamaran qui, de plaisance, hein, qui serait à terme produit grâce à l'hydrogène. Et c'est un catamaran français, bien sûr, des Pyrénées orientales. Alors, pour l'instant, toutes les pièces sont fabriquées et assemblées en France. Les bateaux seront assemblés dans un vaste entrepôt à Rivesaltes, dans les Pyrénées orientales. Mais tout n'est pas fabriqué entièrement en France, puisque les moules de flotteurs sont fabriqués par Netcam aux Pays-Bas, le mouliste de Gunboat, parce que ce sont, dit-on dans l'article du Parisien, les meilleurs en Europe. Alors d'ici 5 ans, ASV Yachting espère présenter une gamme complète de bateaux à propulsion vertueuse. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour plus d'informations. Ciao.